Mes amis Verseau, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, nouvelle lune en Sagittaire, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Donc, ce tirage s'adresse aux Verseau en signe solaire principal du zodiaque, signe ascendant et signe lunaire. Je rappelle qu'on est sur un tirage qui reste tout de même général et qui ne parlera pas à tout le monde, ok? Donc, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation à vous personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. On commence de suite pour vos énergies de cette nouvelle lune, ami Verseau. C'est parti. Allez, voyons voir. Allez, Verseau. Nouvelle lune du 23 novembre 2022. Énergie pour les Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire, du zodiaque. Nouvelle lune du 23 novembre 2022. Nouvelle lune pour les Verseau. En signe solaire. Ascendant. Lunaire du zodiaque Verseau. On y va. C'est parti. Ok, alors voyons voir. Allez, on est sur cette énergie 1 pour démarrer ce tirage. On nous dit quoi alors? Ok, ici on nous parle d'un personnage, ici en l'occurrence une femme autour de vous. Alors si vous vous reconnaissez dans le portrait de cette femme, ami Verseau, il se pourrait que cette femme soit le reflet de votre propre énergie si vous êtes une femme. Si ce n'est pas le cas, on parle d'une femme autour de vous, de votre entourage proche, quelqu'un de la famille, des amis, peut-être une femme, une concubine ou autre. On nous dit ici que cette femme a une forme de peur par rapport au fait de perdre quelque chose. Comme si elle craignait, elle sentait venir, il y a cette idée de sixième sens, cette idée d'intuition. Comme si cette femme sentait venir que quelque chose allait se détériorer, que quelque chose allait disparaître. Alors ça peut être concrètement, peut-être le départ de quelqu'un, peut-être une situation qui disparaît, une situation financière qui était au beau fixe et qui petit à petit se détériore. Ça peut être quelque chose en elle, c'est-à-dire que cette personne peut avoir l'intuition qu'il y a des changements qui commencent à s'opérer dans son fort intérieur et elle est en train de se dire voilà, je perds la personne que j'étais ou je perds certains aspects de ma personnalité, peut-être parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui me domine, parce qu'ici on nous décrit un personnage qui est très renfermé, qui ne s'impose pas, qui ne s'affirme pas, qui pense plein de choses, qui ressent plein de choses, mais qui ne les dit pas. Donc ça peut nous évoquer ce genre de choses, c'est-à-dire que peut-être que cette personne a peur de voir en elle disparaître un aspect d'elle-même parce que justement elle l'a trop mis sous silence, cet aspect. Ça peut être quelqu'un qui domine cette personne, quelqu'un qui la manipule et qui justement la fait rester dans ce silence, cette femme. Donc ça peut être intérieur, ça peut être ressenti intérieurement, cette peur de perdre un aspect de sa personnalité par exemple, pour toujours dire oui je suis d'accord avec toi, oui je te suis, alors qu'en fait non je ne suis pas d'accord, non je n'ai pas envie de te suivre, voyez. Ça peut être cette impression en fait de se perdre sur le chemin de soi. Ou tout simplement, ça peut faire allusion, référence à l'extérieur, avoir peur de perdre une situation, peur de perdre un travail, une personne ou autre. Voilà, il y a cette idée quand même d'une situation que vous avez, que cette femme, alors cette femme, je le répète, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, vous avez eu peur d'un abandon, d'un lâcher-prise, d'une perte, mais... Là, les énergies se rééquilibrent. Durant la période de l'automne, on est en plein dedans. Là, les énergies semblent se rééquilibrer dans le cadre d'une évolution. Là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On a un projet en gestation avec cette carte de l'oiseau. C'est marrant, à chaque fois que j'ai des animaux sur les cartes,
J'ai toujours du mal, je sais pas si c'est une oie, si c'est. Ouais, c'est une oie, je sais pas ce que c'est comme oiseau, enfin bref. Non, ce n'est pas un pélican du tout, du tout, du tout. Voilà, il y a cette idée, en fait, d'un projet en évolution, en état d'avancement. Et par rapport à ce projet qui était en train d'arriver, cette femme se disait, voilà, je vais perdre ça, ça, ça. Ou alors, avec l'arrivée de ce projet, je risque de perdre ça, 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 ou je sens que je me perds moi-même. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être cette idée de ne plus vraiment savoir qui on est, ce qu'on veut, quelles sont nos envies, nos ambitions. Et là, on voit que plus ce projet avance, plus ce projet est sur le point d'éclore, et plus on est dans le fait de retrouver un équilibre par rapport à des craintes qui étaient là avant. C'est-à-dire que c'était un petit peu des craintes anticipées. Après, voilà, avec cette carte de la grossesse, ça peut nous parler bah, peut-être d'un bébé, d'attendre un enfant. On a peur de se perdre soi avec l'arrivée de ce bébé. On a peur que notre vie change avec l'arrivée de ce bébé. Après, ça peut être la grossesse au sens symbolique, un projet qui est sur le point d'éclore, d'aboutir. Et voilà, on a peur en fait de ce qui pourrait changer, des sacrifices, de certains renoncements qu'on aurait à faire par rapport à ce qui évolue. C'est aussi ce que ça peut nous indiquer ici. Ok. Donc voilà, cette femme autour de vous, ou alors vous, si vous êtes une femme Verseau et que vous vous reconnaissez dans ces énergies, pourquoi pas? Mais voilà, il y a cette idée de j'ai peur de ce qui va changer, j'ai peur que ça disparaisse de ma vie. Donc on pourrait supposer ici que le changement qui arrive est peut-être imposé à cette femme. Et elle ne l'a peut-être pas choisi délibérément, c'est comme si ça lui tombait dessus un petit peu et que ça créait en elle certaines peurs. Ok? Alors c'est pas forcément un changement négatif, attention, hein. C'est pas parce que ça lui tombe dessus comme ça que ça y est, forcément c'est terrible, non. Ça peut être quelque chose de beau, quelque chose de sympathique, mais voilà, ça crée quand même certaines appréhensions. Énergie 2, on a quoi? Alors, on nous parle d'une réflexion ici, je dirais même d'un retour sur soi. On se replie dans une forme d'isolement pour réfléchir, pour se recentrer. Par rapport au sens que l'on souhaite donner, au sens que l'on souhaite donner à un changement. Ici, on voit très bien que on essaie de réfléchir par rapport à ses envies. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce qui vibre en moi? Je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire véritablement? Ça passe par la concrétisation d'un nouveau départ. Et là, on voit que en fait, cette réflexion va permettre une forme d'illumination. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça, je dois démarrer telle ou telle situation, je dois démarrer tel ou tel projet pour être bien et pour être épanoui. Ça, j'ai l'impression que c'est d'où vous venez et ça, c'est ce que vous mettez en place, en fait, c'est l'après-coup. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, je dois prendre ma vie en main, je dois changer certaines choses pour me retrouver moi-même. Donc, je mets en place certaines choses, peut-être certains renoncements, certains changements. Ici, on a vu qu'on a un projet qui est en cours, hein. Donc, vous démarrez certaines démarches pour arriver à ce nouveau cap de vie, quel qu'il soit. Quel que soit le domaine de vie dont on parle ici, ça va pas parler à tout le monde de la même façon. Et là, en fait, en énergie une, on nous dit bah, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des peurs sur ce chemin de cette nouvelle avancée. Voilà ce qui se passe. Je garde mes peurs enfouies en moi. Ok, j'ai envie d'avancer, mais en même temps, je suis un petit peu attachée à quelque chose qui est en train peut-être de partir. On nous dit attention que pour accueillir le changement dans votre vie, ami Verseau, il convient de peut-être faire une forme de ménage, de se séparer, adopter une sorte de séparation avec d'anciennes énergies qui ne vous servent plus ou avec d'anciennes croyances limitantes. Hein. Ça rejoint la peur qu'on a évoquée au début du tirage. Certaines croyances limitantes qui peuvent vous empêcher d'aller sur votre chemin de vie et d'évoluer sereinement. Ok? Donc là voilà, j'ai une illumination en énergie 2, je constate grâce à un retour sur moi que j'ai envie de changer certaines choses dans ma vie, que peut-être je ne suis pas à ma place là où je suis. Donc je sais quel chemin je dois suivre en quelque sorte pour aller vers ce chemin, pour le créer, pour créer ma nouvelle réalité. Et là, je vois bah, les obstacles qui peuvent entrer sur mon chemin, mais toujours un petit peu au niveau psychologique et au niveau mental, hein, ces obstacles. C'est-à-dire que dans la matière, au niveau de l'extérieur, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de concret au niveau de ce qui pourrait venir vous gêner. On peut parler aussi peut-être d'un nouveau démarrage sentimental. C'est pas impossible.
Peut-être qu'on a envie de démarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un ou qu'on se dit, tiens, pourquoi pas aller tenter le coup avec cette personne. Mais voilà, peut-être que pour tenter le coup avec cette personne, il y a des risques à prendre, il y a des renoncements à faire et vous avez peut-être peur. Peur de vous perdre vous-même sur le chemin. Moi, j'ai l'impression que cette peur est une peur d'être loin de soi. C'est-à-dire, par ce que je mets en place, j'ai peur de m'éloigner de moi-même parce que ce que je mets en place, je ne suis pas sûre à 100% que ça me corresponde et que ça réponde à certaines de mes envies, à certains de mes besoins. C'est-à-dire, j'en ai une vague idée, je pense que ça pourrait me faire plaisir, que ça pourrait me faire évoluer, mais peut-être que je ne m'y retrouverai pas. Encore une fois, il n'y a que l'expérimentation, l'expérience qui pourra vous donner cette réponse, oui, ça me convient ou non, ça ne me convient pas. Ok, on nous parle en noyau central d'un homme autour de vous. Alors il pourrait s'agir d'un couple, hein, on a la femme et l'homme, et là on a l'amour. Alors l'amour, soit sentimental, soit c'est ce que vous ressentez au fond de vous, la passion, l'envie de faire quelque chose. On nous parle d'un homme qui, lui, est un petit peu désinvesti, qui n'a pas véritablement agi peut-être vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette femme. En fait, là, c'est comme si on nous racontait un petit peu une histoire. On a un homme, on a une femme, un homme qui n'agit pas trop vis-à-vis d'une femme. Et on voit qu'en fait, que cette femme peut-être est dans la réflexion par rapport au fait d'agir seule, étant donné que cette personne, bah, ne fait rien. Et vu qu'elle doit agir seule, bah, peut-être qu'elle a peur de perdre certaines choses ou de se perdre elle-même. Même sur son chemin, parce que c'est peut-être contraire à ses valeurs d'agir seul, d'agir à sens unique, vous voyez, de se battre seul pour avoir l'amour de l'autre, ça peut être ça. Si ce n'est pas le cas, on parle de vous, ami Verseau, homme ou femme, et peut-être de vous face à ces deux personnes. Donc il peut s'agir d'une triangulaire ici aussi. C'est tout ce qu'on a pour cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, ami Verseau. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation à vous, je vous invite à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'écrivez. Allez, ciao, ciao.